Alors, avant, on va faire quelque chose. Saram Dalaran, c'est... Oh, c'était merde. Vous le savez, hein, j'aime pas Dalaran. Le jeu a freeze. Allez, s'il te plaît. Oh, purée. C'est bon? C'est revenu? Allez, c'est revenu. Ok. Non, c'est pas revenu. Oh, yo, mais jeu de... Ville de merde, ville de merde, Dalaran. Je te hais, Dalaran. Bon. Je veux le... Voilà. C'est ça que je veux. Ah non, me dis pas que Dalaran a encore planté et qu'il n'y a plus un seul PNJ. Non, si, ça y est, c'est en train de charger, c'est tout. On va juste attendre que ça charge un petit peu, parce que... Prévenez-moi quand il sera temps. Et ben voilà. Non, presque tous. Voilà. Alors, à ce que j'ai compris, voilà. À la fin. Donc là, on est plus ou moins en fait à la fin de Légion, hein, simplement. C'était très très vite en vrai, hein, vu que niveau 110, en fait, tout est quasiment débloqué. Et puis, il n'y a plus que la campagne des îles brisées. Si ce jeu veut bien arrêter de planter. Ok, je relance avant de terminer ce record. Je relance. Non, c'est bon, c'est stable. Non, c'est pas stable du tout, c'est stable mais brôle. Je mets en pause, je relance le jeu et on se retrouve là. Bon, voilà, j'ai relancé le jeu. Ça me paraît pas forcément plus stable, mais normalement. Le destin de notre monde est en jeu. Voilà. Expédition du rivage brisé. Donc, en terminant ça, ça fait quoi ça? Fourniture de guerre. Ok. Nous vous suivrons où que vous alliez. Parler à Kadar. Ben, il était là. Il y a beaucoup à faire. Vous êtes notre dernier et notre meilleur espoir. Ok. Cinématique. Ouh. Champion, votre triomphe contre Gul'dan nous permettra de mettre fin à cette guerre. Les piliers de la création à présent réunis, nous avons enfin le pouvoir d'empêcher les démons d'envahir notre monde. Gul'dan a été vaincu, et la Légion, elle aussi, tombera. Gul'dan n'était qu'un pion. La victoire n'est pas assurée, nous devrons rester vigilants. Les véritables maîtres de la Légion n'ont pas encore déchaîné toute leur puissance. Je redoute celle du monstre qui tracas les miens sans relâche. Kil Jaeden. Le jour où j'ai accepté le Gambre-feu, mon destin s'est dévoilé à moi. Une grande croisade qui atteindrait les confins de la création. Telle est la vision que vous m'avez montrée. Et nous triompherons. Nous ne
n'avons fait qu'obéir à vos moindres désirs. Et nous n'avons connu que la défaite. Peut-être as-tu perdu de vue notre destin. Peut-être veux-tu te dédire. Pour l'accomplir, j'ai sacrifié jusqu'à mon monde. Il est temps qu'il devienne réalité. Ok. D'accord. Ah ouais, on n'a pas fini, hein. En fait. Ok, là je suis dans le noir par contre. Atteindre le rivage brisé. Je suis en vol visiblement. Enfin. Ok, d'accord, fallait que je bouge. Stop! Alors, je vous explique. Après la cinématique, un script ne s'est pas lancé correctement et j'ai tourné en rond pendant un quart d'heure avant de retourner à Dalaran pour relancer la quête. D'où cette coupure un peu brusque. Toutes mes confuses. Je vous laisse reprendre cet épisode. Prévenez-moi quand il sort. Il y a beaucoup à faire. Ah ouais, ok, d'accord. Faut que je relance... Adieu, mon ami. Ok, d'accord. Bon, allez, on va la retenter. Champion. Ok. Vite, nous avons besoin de vous sur le front. Ah. D'accord. Notre assaut sur le rivage sud en rencontre une grande résistance. Ok. Je veux que vous meniez nos troupes pendant que je m'occupe de ces vaisseaux. Nous devons nous emparer des ruines à l'ouest de l'île. De là, nous pourrons concentrer nos troupes vers le vaisseau central, au-dessus du moteur d'âme. La Légion ne gagnera pas aujourd'hui. Nous leur montrerons que nous sommes tous unis. Pour Azeroth! Nous devons investir la plage avant de nous emparer des ruines à l'ouest. Ok. Je suis trop loin. Wow, c'est chaud là. Là je me fais def là par contre. Ok. On va essayer de rebuter l'élite qui est là. Au moins, ça va faire augmenter très très vite
la sécurisation de la plage. Mais j'ai l'impression du côté des autres, y a aucun démon qui tombe quoi. J'ai l'impression que limite il tape pas quoi, il tape pour de faux quoi. Oh, d'accord, ok, j'ai gagné que 3% là. Bon, j'essaie juste de soutenir un petit peu les troupes, hein. J'essaie de faire mon soutien. Ok. Ouais, en tout cas, je vais peut-être le faire hors caméra parce que c'est un petit peu long. Ouais, ça va être long comme bataille. Ça va être très très long comme bataille. J'essaie d'assister un maximum, histoire que s'il y a un démon qui tombe, au moins il compte pour moi aussi. Le truc c'est que si jamais il y en a un qui tombe, enfin qui si jamais j'arrive si je prends l'aggro sur un d'entre eux, et ben il faut que. Ben, à la limite mon marcheur, je vais lui demander c'est d'arrêter de prendre l'aggro. Parce que là on est clairement sur une. Voilà,
faut vraiment que je joue mon rôle de DPS sur ce champ de bataille. Je pense surtout que ça doit être ça, quoi. C'est-à-dire affaiblir les ennemis et laisser les autres faire le travail, comme ça j'aggro un max d'ennemis et puis ça compte quand... Si j'ai infligé des dégâts, ça compte pour moi, quoi. C'est vraiment mon rôle de DPS, quoi. Ah, là par contre, lui il a pris l'aggro sur moi, lui. Bon voilà, je suis à 42 000. Merde. J'attendais pas à ce que lui prenne l'aggro sur moi, lui. Limite. J'arrive à faire tomber un démon pour que les autres viennent m'aider. Allez, venez m'aider là. Il est où mon démon là? Allez. C'est bon. J'ai envoyé mon démon prendre l'aggro parce que sinon... sinon... Bon, ça va, 54% finalement. Ça progresse petit à petit. Peut-être faut vraiment que je prenne les démons qui sont déjà un peu blessés. Comme ça je suis sûr qu'ils prennent pas l'aggro sur moi, quoi. Il faut que je vise comme ça plusieurs démons à la fois, que je réfléchisse mes dots sur eux, comme ça. Et c'est normalement ce qui se passe en champ de bataille, hein. Bon, sachant qu'en plus, je devrais en vrai envoyer... voilà, quelques inflictions instables en plus. Mais le problème des inflictions instables, c'est que je risque de prendre de l'aggro des mobs. Et c'est pas vraiment le but. Lui par exemple, si je suis l'aggro, ça... c'est moi qui vais prendre cher. Bon. Lui par exemple, lui c'est bon. Lui je sais que c'est bon. Putain. Oh.
Bon, dans l'ensemble, on se débrouille plutôt pas trop trop mal. %72. Ouais, alors lui, j'aurais pas dû l'attaquer, lui. Parce qu'il a pas perdu beaucoup de vie. Il est pas impossible qu'il prenne l'aggro sur moi après. Les très gros, ils sont durs à faire tomber quand même. Allez. On y va. On y va. Là, il est à l'aggro sur moi, c'est bien ce qu'il me semblait, lui. Hop. Là, je lui ai envoyé du lourd, hein. Honnêtement. Allez, c'est bon. On va essayer de faire tomber celui-là. J'ai pas l'impression que les assists ils font beaucoup de dégâts. Hein. Sur lui. Bon, on a 93%, on va y arriver. Je vais essayer de me mettre un petit peu à distance et balancer mes dots à distance. Là, il y a beaucoup de mobs, si jamais j'arrive à... À réduire énormément le nombre de points de vie global,
Après, on peut peut-être essayer de se concentrer un petit peu sur le plus gros. Moi, je pense que si je réduis encore, si je réduis encore trop ses points de vie, il va prendre rapidement l'aggro sur moi là. Il pensait être prêt à nous affronter, mais il n'avait jamais vu les troupes d'Azeroth faire preuve d'une telle cohésion. Rendez-vous en haut de la colline à l'ouest avec les autres troupes. Un Eredar et ses sous-fifres défendent ce lieu. Vous savez quoi faire. Ok, alors le problème c'est que voilà, c'est que je ne peux pas voler, je ne peux pas. Ok, donc il faut que je suive ce chemin. En évitant d'aggro trop de mobs. Ouais, je m'en doutais. Seulement ils ont un aggro de taré. Et merde. Puis ça sert à rien de fuir. Ça sert à rien de fuir ici. Autant plutôt que j'essaye de passer. Parce que je suis dans une instance. Donc ça sert à rien de fuir. Il va me poursuivre jusqu'au bout du monde. Sauf si. Voilà, je peux faire ça. Bon, ok, je vais me faire def. Ok, mais c'est pas grave, je progressais comme ça là. Sauf que là, je sais même pas où je suis. D'accord, ok. Alors, par contre, oui, évidemment, on est en instance, donc on ne. Entre guillemets, on ne meurt pas. On n'a pas de phase à pied en fantôme comme on peut avoir. Par contre, je sais pas si mon équipement prend les dégâts aussi. Ok. Donc il faut que je tue ce mec. Bon. C'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Pourquoi j'ai un chargement? Ok. Non mais je résume là? Mais non, mais ça sert à rien. Mais pourquoi tu... Oh, allez. Hein. Bon, écoutez, moi, je m'arrête là. Voilà, ça fait bientôt 3 heures que je tourne. Donc, sur ce, ben je vous dis à plus tard. On termine cette quête-là plus tard. Voilà. Sur ce, ben... A tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Oui, excusez-moi, donc petit changement de plan finalement, on se retrouve là vraiment quelques secondes, enfin quelques minutes après. J'avais des alliés qui débarquaient de là, ils ont attaqué le...
l'objectif. Donc finalement je vais faire ce combat rapidement avant de vraiment arrêter de cette session d'enregistrement. C'était pas prévu. Et j'ai remis mon marcheur du vide de façon à ce qu'il prenne l'aggro. Pourquoi il a redémarré son... Ok, alors par contre il a régène toute sa vie là, c'est con, il a repris le combat de zéro. Il n'y avait pas de raison que ça arrive, ça. Bon. Ah oui, peut-être que je pourrais utiliser ça. Puis éventuellement ça coûte rien de plus. Allez, on va essayer de se le faire, hein. Reprends l'aggro. Oui, voilà, c'est bon. Je vous ai dit, hein, mon marcheur du vide, je l'ai remis de façon à ce qu'il reprenne l'aggro toutes les 20 secondes, je crois, c'est. Non, toutes les 10 secondes. Donc, si jamais je lui fais trop de dégâts au point que le mob reprenne l'aggro sur moi. Au moins, voilà quoi, c'est pas très grave quoi, j'ai que 10 secondes à tenir maximum quoi. Il faut juste que je surveille que mon marcheur du vide soit toujours actif. Voilà, là par exemple, il faut vraiment qu'il relance voilà, son aggro. À ce que j'ai compris, faut pas que je reste à proximité de ces trucs là. Ça fout la merde. Vous croyez que vous poignez de mortel aux armes tapaleux va nous arrêter? Ah, les armes tapaleux, ils parlent de nos... Deux armes prodigieuses, d'accord, ok. J'avais pas la ref en fait. Ouais, long ce combat, long. Et merde, j'ai plus de... Bon, ça va, mon marcheur du vide a l'air de tenir le coup. Il tape pas si fort que ça, en fait, ce boss, donc ça va. C'est toi, l'échec. Non, bah c'est bon, plus que 1000 points de vie. Allez, par contre là vraiment je m'arrête là après cette phase. On reprendra plus tard. Je dirais que vous étiez voué à l'échec, seigneur Kalgorath. Bon, je suis quand même encore un petit peu, mais il y a trois portails de la Légion et encore un champ de bataille quoi. Les troupes du commandant de l'effroi Arganoth sont rassemblées au nord-est.
Nous devons fermer les portails avant que nos alliés soient submergés. Les gardiennes sont avec vous. Tout comme la lumière. Je vais... prenez une monture pour aller plus vite. Ok, c'est ici que ça se passe. Oh putain, c'est le diablotin, il... D'accord, ok. Non, mais faut vraiment que j'arrête ici, par contre. Je suis désolé. Ce serait un plaisir de continuer, mais là, je peux vraiment pas, quoi. Bon, allez, je me mets à l'abri et je reprendrai plus tard, là. Franchement, je peux vraiment pas. Allez, à plus tard. Bon, ok, très bien, c'est bon, on est de retour. Donc, je vous explique. J'ai quitté le jeu il y a 2 jours. Et je me suis rendu compte que si on quittait l'instance en cours, on devait recommencer depuis le début. Donc, c'est la deuxième fois que je recommence ce donjon. On va laisser nos alliés faire le boulot et on va se concentrer sur l'objectif de fermer les fameux 3 portails. Sauf que ils n'ont pas l'air indi... Non ! Non, non, non ! Serveur redémarrage dans 30 minutes ! Faut qu'on arrive à faire le donjon en 30 minutes. Ah, c'est pas vrai, sinon je dois tout recommencer encore une fois. Non, je veux pas. Je veux pas. Ah, je suis deg. Ok, le portail est là-bas. J'espère que ça ira. Oh, puis ça pue là. Oh, ça pue. Oh merde! Oh bah là je suis foutu. En plus je suis foutu. Non, il me faut des alliés, il me faut des alliés. Les alliés. C'est pas vrai. Bon, ça va, on repart pas loin. Mais... ah, toujours le pire moment. Et le truc c'est que c'est qu'on peut pas voler dans ce donjon. Ça c'est le truc un peu bête. Bon allez, on va se faire l'élite. Ouais, ok. Zut. J'ai visé les mauvais mobs. C'est rien. Ah d'accord, ok, puis il utilise ce genre de pouvoir lui.
Bon, allez. On va essayer. C'est bon. Allez, portail suivant. Il y en a plusieurs, hein, apparemment, sur la carte. Et il y en a qui semblent très peu gardés, visiblement, donc ça devrait le faire. J'espère vraiment qu'on peut faire ça avant le redémarrage du serveur. J'espère vraiment qu'on peut compléter ce donjon en moins d'une demi-heure. Sachant que ça fait une demi-heure que j'y suis déjà, hein, donc ça veut dire en gros en moins d'une heure en vrai. Mais... Ok, j'ai les trois portails, c'est bon. Maintenant, l'idéal, faudrait que... Est-ce que je peux contrôler ça? Non, je peux pas le contrôler. On va essayer de s'attaquer surtout au petit diablotin. Parce qu'ils ont peu de vie. Allez, 25 minutes. Faut qu'on réussisse en 25 minutes. Je vais essayer de rejoindre mes alliés. Parce que là, ça me paraît difficile. Je suis bien passé par là, hein, au départ, oui, hein, c'est ça. J'ai un doute. Ouais, c'est ça, hein, le deuxième portail, il était là, que j'ai désactivé. Bon. Après, normalement, voilà, mes alliés sont là-bas. Honnêtement, vaut mieux, c'est faire ça, c'est aider les alliés à push, en fait. C'est vraiment en jouant mon rôle qu'on progresse plus vite. Si ça... Si je suis déconnecté, je suis obligé de recommencer tout le donjon depuis le début. Et ça, je suis vraiment deck par contre. Ça garde pas la progression du donjon en cours. J'ai crevé là. C'est bon.
Bon, 79%. Je vais me concentrer sur lui. On est à 90% là. On a Illidan à nos côtés. Gardienne, au travail. Tant que les chasseurs de démons jouent avec leurs chauves-souris. Assez. Nous devons rester concentrés. Je vous arracherai la peau des os. Bon, un petit heal. Donc il faut que je tue le commandant. J'ai 20 minutes. Ce problème c'est que je sais pas où il est là. C'est pas lui là. Commandant de l'effroi. Il est derrière moi, mais je le vois pas. Il est là-bas, d'accord, ok. Et donc faut que je me le solote ou... Ok, 70 000 points de vie. Est-ce qu'en 20 minutes c'est possible? Faut vraiment que les... Faut que les Illidari m'aident. Non? Vous voulez pas aider là les mecs? Sérieusement? Bon bah on va se le faire tout seul. 733 000 points de vie, ça fait beaucoup de points de vie, hein. Surtout pour un DPS, quoi. Heureusement qu'il tape pas fort, quoi. Ah, quand même. Ah, j'ai pas vu, il y a Illidan parmi nous en plus. J'ai pas vu qu'il y avait Illidan parmi nous. Ça va vite se régler dans ce cas. S'il est aussi puissant que le vrai boss, quasiment, ou même à 10% du vrai boss, c'est bon, quoi. Je veux dire que le Illidan qu'on connaît du Temple Noir. Ok.
Bon, je vais m'occuper des mignonnes. Si je dois me retaper tout ça hors caméra. Eh attends, pourquoi il régène? Je suis pas d'accord, il régène des points de vie de temps en temps. Quart d'heure. Faut qu'on finisse ça en un quart d'heure. Oui, venez, je vais pouvoir me divertir un peu. Mephistroth, les démonistes se sont emparés de votre monde, Natrezim. Je ne me montrerais pas si arrogant si j'étais vous. Silence! Placer cette bombe des arcanes dans le vaisseau de commandement, d'accord, ok. Alors, est-ce que c'est lié à ces trucs-là? Ok. Une sur sept. D'accord, et puis il y a des portails après. Ok, d'accord. Ok, 14 minutes pour réussir à faire ça. Petite quête d'interaction. Je regarde un petit peu hein, où est-ce qu'il faut les placer. Ça, c'en est pas. Lui, il va faire chier, lui. On va prendre à droite, on va bien voir. Ah mais je suis à l'Argus en fait. D'accord, ok, en fait l'Argus on le débloque comme ça en vrai, d'accord, ok. Parce que dans l'ancien serveur où... Dans l'ancien serveur Légion que j'ai fait, l'Argus était libéré dès le départ. D'accord, donc ok. Et donc Illidan va prendre le contrôle après de ce vaisseau. Et ça va être notre base d'opération contre la Légion. Cinq. Le sixième est là-bas. Il nous reste 12 minutes. J'espère qu'il n'y a pas une autre phase après.
hors de portée. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y en a une ici à poser? Non, il n'y en a pas. Là, je suis 12 minutes. Aïe, 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 aïe. Le truc, c'est que normalement, voilà, on peut faire ça de chill normalement, mais là, vu que j'ai un redémarrage serveur et que j'ai pas envie de tout me retaper. On va redescendre tout en bas. On va prendre là. Ouais. Ok. Il y a juste un serviteur de l'effroi là. Ok. Et on doit terrasser le boss final. Il a l'air d'être au milieu. Non. Allez, faut que je me manie, on a que 12 minutes. J'ai essayé d'aider mon. J'y crois pas. Je crois que le boss final. Je crois que le serveur va redémarrer juste au moment du boss final. Si c'est ça, je suis deg. Il est là.